Don't let me go. Ah, quelle magnifique vue. Faut que j'aille dire à Steven de venir voir. Steven! Mais qu'est-ce que tu fais? Salut, c'est pas ce que tu crois. Hein. Bon, on va vite partir. On va aller voir le GR. Non, pas tout seul. Bon, alors sur cet état de Rennes et Steven, j'espère que vous allez bien. C'est pas super. Et on va aller contacter le GR. Ah oui, mais ça, c'est moins important. Alors. Bon, alors, ouais, on devait aller contacter le GR la dernière fois, donc on va vite y aller. Ah! Ah merde. Raïm, qu'est-ce que tu fais là? Salut, Crane. Tu peux te faire confiance? T'es sous ou quoi? Oui ou non? Oui, oui, oui. Qu'y a-t-il? Les éclaireurs ont trouvé un nid de rapace dans ce gratte-ciel. Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Je pense à un truc. On pourrait peut-être le faire exploser. Me dis pas que t'envisages toujours ça. Crane, il le faut. Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antizine dont on a besoin. On fait une bonne équipe. Ah, merde! Me lâche pas! Me lâche pas! Oh putain! Tu vois, on fait une bonne équipe. Écoute, Raïm, on n'a pas d'explosifs. Du tout. À part peut-être les pétards de Spike. Mais bon. J'en peux vraiment plus. Tout ce que je fais, c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Je veux pas crever ici, Crane. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. C'est quoi, ça? Je devais partir le dimanche. Mais ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... Bon, écoute, je vais réfléchir, ok? Si je trouve un moyen de t'aider. C'est ça. Ouais, on fait une bonne équipe, oui, je t'ai surtout sauvé. Non, mais... Une bonne équipe. Une bonne équipe. Ça aurait fait quoi s'il serait tombé en fait? Ça fait ça. Allez Steven, montre-nous ce que ça fait. Allez Attends, Steven. Je vais faire comme lui. Attends, je vais faire comme lui. Non, je te rattrape pas. Allez, salut Steven, adieu. Oh. Il est possédé vite. Casse-toi de nous, Steven, il est bizarre. Attends voir. Ouais, non, viens, on y va. Non, viens, ouais. Oh, parce que là, ils vont vraiment dire vous avancez pas l'émission. Regardez, j'ai trouvé un truc, viens voir. Tu m'écoutes pas. Tu viens vers la canette, t'appuies sur L2 sur la canette. Espèce de troller, va. De quoi? Ça marche vu, pas, ça m'est mal embuvé. Bah, moi, regarde, moi, je bois, moi. Vas-y, tac. Non, c'est, j'arrive pas avec celle-là. Pourquoi que ça, j'arrive? Bon, vas-y, go. J'arrive à boire la bière, c'est abusé. Troll ou pas troll? Quelle est la question? Alors, il y a un truc rouge qui m'apparaissait devant la gueule, je me demandais ce que c'était. Où est-ce qu'il faut aller, là? Oui, chercher un endroit sûr pour contacter le GRE. Et on le trouve où, cet endroit sûr? On doit descendre? Mais c'est en haut, ça. Ah ouais, merde, non, mais moi, je regarde pas les flèches. Non, mais... Après, voilà, hein. Allons-y! Go! Au départ, on devait contacter le GRE, à la place, on était par là. Ouais, non, mais c'est parce qu'il était là et puis on pouvait pas contacter vu qu'il était là. Bon, attends, je crois que. Ah ouais, mais en fait, il faut juste qu'on monte tout en haut. Vas-y, on va le contacter. Bon, je t'attends, hein. Je crois que tu peux te téléporter sur moi. J'arrive. Mais pourquoi j'arrive plus? Ça m'énerve. Ici Crane, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que vous recommenciez à livrer de l'antizine près de la tour. On en a besoin. On vous a envoyé à Arran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères Teresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rise. Peut-être
que Mademoiselle Aldemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antisine, et ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolée de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés, avec votre fichier à la con. Je vais le trouver, mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. Ça c'est bien dit. Eh, c'est comme la dernière fois, moi j'avais pas entendu, mais à la fin, quand il a raccroché, il a dit « Allez vous faire foutre !» Ça j'avais pas entendu, on va écouter la vidéo, j'ai entendu. Car oui, je regarde mes vidéos. Alors, viens, je pense qu'il faut descendre, non ? 5 sur 5, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et j'ai te la attends si elle est plus sur la tour et où ? Et je pense que c'est là qu'il stocke son antisine. Si on réussit, je crois que j'ai tout bu en fait. Viens, descend, je pense. Steven Alcolo. Garde que pour lui ! Ouais, je te suis. On se retrouve dans les wagons après l'école. Ok, au fait, Jad. Ah, je trouvais Jade dans le wagon de marchandises. Parle, toi et moi. À propos de. Pas maintenant, Jade. Commençons par vider l'entrepôt de Rice et nous verrons bien. Il prend l'ascenseur. C'est parti. Bonjour. Comme il ouvre la porte et tout ça, ça fait bonjour. Alors attendez, on va juste prendre ça. Voilà. Go, on y va. Ah, ce bon air pur. Mais à part ça, qu'est-ce que t'en penses de Tonton Dodo, alias Donald Trump ? Non, Steven, non, on ne commence pas. On ne commence pas là-dessus. Chacun a son avis. Non ! Alors... Nous ne sommes pas une chaîne de politique ici. Pour le moment. Pour le moment. Ça te dit pas d'aller chercher une arme Non. Non, pas tout de suite. Non, on fait un peu l'émission, sinon ça va faire un peu long. Au pire, on ira chercher. Enfin, dites-nous si dans le prochain épisode, en fait, il y a une arme qui est assez puissante qu'on peut trouver. Tu parlais de laquelle, de XP Calibur ? Oui. Bah ok, bah alors dites-nous si vous voulez que dans le prochain épisode on aille chercher XP Calibur, c'est une arme qui fait plutôt mal. Ou si vous voulez qu'on aille la chercher mais pas en vidéo, car c'est vrai que ça prend un peu de temps quand même. Et voilà, on est pas dans les pourcents, en termes de pourcents on est vraiment pas loin dans l'histoire. Mais si je me souviens bien, au début ça stagne et d'un coup tu fais genre 20% par épisode. Donc on va dire que ça avance plutôt vite. Steven, t'es pas un peu à la traîne? Oui, totalement. Oh, comme je jartais, c'était magnifique. Oh, je l'ai tellement fait mal. Ah oui, regardez ce que j'ai débloqué maintenant. Là, je peux les jarter avec mes poings comme ça pour quand ils bouchent le passage, tout simplement. Allez. Par contre, il y a un truc. Ah oui, il y a un épisode, j'ai vu qu'il avait, il avait moins marché que les autres, et il y en a un, il a mieux marché. Vous voyez, c'est pas grave. Mais le seul truc, c'est que je me dis, il y en a deux qui regardent la série qu'à moitié, c'est un peu bizarre non de regarder une série à moitié. Bon, c'est vrai que le premier épisode est plus important que le reste, mais après voilà. Je comprends pas comment on fait pour suivre une série sans voir tout. il faut aller où ? Ah ouais, retrouver Jade dans le wagon. Jade, pourquoi elle s'est mis là-dedans déjà de base ? Pour se cacher. Oh, dis donc. Tu devrais voir ça. Il se passe un truc à l'école. Ça fait des heures que les gars de Tahir transportent des caisses. Allons voir ça de plus près. Il y a quoi dedans ? Si c'est de l'antisine, il nous la faut. Jade, où tu... Merde.
Quel enfoiré, ce Tahir. Il mérite pas de vivre. Oh, elle est partie où, bordel? Non, Jean-Jacques! Non, non! Et par contre, t'as mis du temps à comprendre que c'était une cinématique, hein. Ouais. J'étais là, Steven, il va nous raconter sa live pendant toute la cinématique. Par contre, je suis sûr que ça t'a fait de l'effet quand t'as monté, hein. Quand t'as foutu à terre, ouais. Oh, ouais, une casse. Go. Mais mis à part ça, heureusement que j'ai bien monté l'autre fois pour Ah oui, bah alors attends, on va en parler. Alors Steven a acheté une nouvelle Play 4, car voilà, pour une certaine raison. Et donc, normalement en fait on perd les modes histoire. Et le truc c'est qu'il a eu la flemme de mettre son ancien compte, car il avait deux comptes, un pour Dying Light et un sur son principal. Et donc il a dû tout refaire les enfin il a fait, vous pouvez avoir plusieurs modes histoire sur Dying Light. Et donc il a fait un autre mode histoire. Donc il a dû se retaper tout seul pour arriver jusqu'au même stade que nous. Voilà. Donc voilà. D'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il a un peu cheaté. Il a eu pas mal d'armes cheatées, hein. Hein, il a bien farmé. D'où? Ah ouais. Non, cheaté. Bah cheaté, juste ça veut juste dire qu'il a beaucoup farmé. Il a un peu plus farmé que ce que nous on farmait entre deux épisodes. Voilà. Et par contre, comment on fait pour monter? Bon, c'est aussi pour monter plus vite les levels, hein. Ah, mais quand même, avoir une arme à 1000 dégâts quand la plus forte à moi elle est même pas à 200, c'est ce que je veux dire, hein. Mais c'est... on rentre où dans cette école? Madame, on aimerait apprendre. Pourquoi j'ai toujours pas compris comment. Mais Steven, on mérite de là. Se faire taper, hein. Là, viens là. Mais non, mais là, saute sur le rebord, là, sur ce truc. Ah, c'est bon. Après, tu montes la petite échelle, là. Toi, dégage. Oh non, mince. Oh non. Petite coupure, pardon, hein, bien entendu. Mais dégage. Voilà, comme ça, t'es content. Toi, il est vers le bas. Je crois que j'arrive à dompter un exploseur. Regarde. C'est pas drôle. Bon allez, il faut qu'on rentre. Ouais, on peut rentrer par là. Viens vite, Steven, je ferme la porte. Adieu, Steven. Adieu. Bah voilà. Oublie. mais je l'ai pas vu, je te jure, il est là. Coucou. Alors. Ah là. Ok Jeanne, je suis entré. Oh non, pas l'école. J'aime pas cette atmosphère. C'est horrible. Je déteste. Vas-y, Arc. Ça fait penser à Outlast. Outlast 2, pardon. Il y a un endroit où c'est dans une école comme ça, si je me souviens bien. Bah allumez la torche pour vos petits yeux. Attends, lui, il a bien été embroché. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Chercher de l'antisine. Pourquoi il y aurait de l'antisine dans l'école? Mais viens là. Là. Moi regarde. Il est beau, hein. Ouais. Stephen. On pousse. Ouais, et je suis full stock d'alcool, en fait. Je peux même plus en prendre. Non. Bon, bien entendu, c'est pour faire des bandages, hein. Il faut pas voir. Oh, regarde. Ça, c'était ma maîtresse. T'as vu là, c'est moi, l'avion. Et ça, Stian, viens voir, Stian, viens voir. Tu vois là, la petite fille et le chien. La petite fille, c'est moi, le chien, c'est toi. Je le sens mal. J'ai pas aimé comme il a ouvert la porte, je te jure, ça, il a ouvert lentement, genre, préparez-vous.
C'est fermé, merde. On peut pas passer par là. Ah mais attends, mais c'est tout en bas je crois. Bonjour. Je sais pas pourquoi mais j'ai un mauvais pressentiment pour toi. Non. Pour l'instant pas. Il fait assez jour. Quand il fait jour, faut pas craindre. Tu vois là peut-être. Là je le sens mal. Ah, je te laisse ouvrir. Attends, ils ont dit sous-sol. Go et ils ont dit sous-sol, je le sens. Je te laisse ouvrir. Ta pète. Oh, mais y'a rien du tout en fait. Bon. T'es sûr qu'il y a rien du tout? T'as un PC, y'a bien la musique qui fait tu. Oh! Dégage! Oh, attends. Tiens, vas-y. À lui, il a perdu la tête, on peut se le dire. Hein. Bon, si on commence, on fait un peu de farming parce qu'on doit chercher un truc. Je déteste trouver un arbre comme ça. Ah putain, j'ai 9% de vie. Oh non, vite. Et si t'arrives à te foutre à terre, c'est bon, je l'ai. Oh, ce qu'il s'est pris. Oh, j'ai regardé la flèche. Non, mais ça lui a traversé le front. Wow. Dégage. Il est où? Eh mec, j'ai le réflexe. Mais t'as pas leur mettre des headshots. Par contre, ils sont trop beaux, leur masque à gaz. Non. Ah. Putain, mais j'ai eu trop peur. Mais il a lancé une grenade. Eh mec, je suis derrière toi. Salut. Je l'ai tué, j'ai tué en bas de pied. Je suis désolé, mec. Il tombe quand j'ouvre la porte. Alors. Hello. Wow. Hey, on est pas la natation, y'a pas besoin de faire des plongeons. Regarde, je l'ai fait s'asseoir sur sa chaise. Vas-y, défonce-le. Il veut un câlin, lui. Câlin, oui. Attends. Hashtag Rainbow. Attends, est-ce que je te relevais un petit peu juste. Ah voilà. Voilà, maintenant c'est fait. Et regarde. Ça c'était mon collègue de table, il se mettait toujours comme ça aussi. Alors. What? Ah. Bon, alors d'après, alors tu vois là j'étais parti pour fouiller toutes les pièces, mais j'ai entendu qu'il parlait d'un truc par. Ah! T'es pas. Ah! C'est bon, headshot. Mince. Putain, oh, mais il y a la cavalerie là. La cavalerie est arrivée. Hashtag traceur. Overwatch. Non. Laisse-moi tranquille. Ah, je vais mourir. Bon, moi, je me récupère mes flèches en pleine tronche. Moi, allez, t'es prêt? Ça va aller vite. Adieu. Loin la tête. Par contre, ils ont des armes assez bien là. Moi, attends, il faut chercher un truc dans cette pièce. Vas-y, fouille dans l'autre pièce. Tu vois, il y a deux pièces. Tu fouilles dans une, je fouille dans l'autre. Oh, les clés, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais. Je peux pas les prendre. Sûr, c'est, bon, les c'est pas les bonnes. C'est pas parce les que bonnes, je peux pas les prendre. Mais il me semble pas qu'elles sont. Ah oui, elles sont là, je crois. Ouais, elles sont là, je crois. Vas-y. Ouais, elles sont là. Elles sont là. Ah parfait. C'est bon. Mais moi, je peux pas les prendre. On peut pas les prendre. Bah attends, c'est pas les bonnes. Reste dans cette pièce, je vais voir dans l'autre. Mais what? Oh, attends, il y a une armoire ici. Peut-être que c'est là. Ah non, c'est pour fermer. Attends, hop. Ah non, c'était pour ouvrir, très bien. T'as tout cherché de ton côté? Et mais tu sais, il y a orange ici. C'est sûr et certain, ça peut que être ici. Ah bah attends, ça dit que j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas encore fouillé la classe C. Le sous-sol est énorme. Cherche la clé. Au sous-sol. Ok, il a dit sous-sol, go. Mais c'est bizarre que ce soit toujours orange, non? Ah, mais peut-être que c'est orange pour le sous-sol, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, genre c'est un étage en dessous. Comment on fait pour descendre déjà? Steven, t'as de l'espoir, dis donc, l'espoir fait vivre. Bah j'ai réussi hein. Du coup t'as ouvert? Non. Non. D'accord. Bon. L'espoir fait vivre, je l'avais dit. Bon alors. Ah là peut-être pas, hein. Nouveau... là peut-être que l'espoir fait pas vivre. Hein. Ouais. Oh du feu. Attends, j'essaie d'ouvrir. Allô. Ah non, c'est pas la meilleure idée. T'es où? Je suis mort. Steven, il m'a vu partir devant ses yeux. Adieu Steven, continue sans moi. Je suis un zombie.
Eh, ça aurait été style, genre que tu te transformes en zombie, puis non, je respawn. Bon, Steven, c'est à mon endroit. Ah, mais c'est bon, maintenant on peut prendre les clés. Bah voilà. Et Steven, et heureusement que je suis mort, hein, parce que sinon on aurait peiné pendant 65 ans. Eh, toi, t'es moche. Oh, oh, elle a fait un plongeon. Mais pas la natation. Toi, dégage. Bon. Oh, je l'ai fait voler. Toi aussi, dégage. Salut. Attends, je suis juste en train d'éclater des têtes là. Ok, alors c'est là-bas. Et mais et heureusement que je suis mort, hein. T'imagines le temps qu'on aurait perdu en bas. Et moi j'aurais pas pensé une seule seconde. Bonjour. Putain, j'ai eu peur, j'ai vu les toilettes. Wow. Ah, ah, Steven, au secours. Oh, il a bien ta flèche dans le bide. Bonjour. Putain, j'aime pas aller dans les toilettes comme ça. J'ai toujours l'impression qu'il va y avoir quelqu'un. Attends, c'est ici, je crois. Ah non, on peut pas ouvrir. Ah si, si. Il est sorti des toilettes. Ah si, on peut ouvrir. C'est bon, j'ai la clé. Je me recule. Passe devant, Steven. Fais gaffe, fais gaffe. Comme fais ça, gaffe, si on doit te faire bouffer. Ah ouais, et il y a plein de points rouges, Steven. Toi, t'es pas mort. Ouais, j'étais sûr. Je t'apprendrai à faire le mort. Ah, il est dans sa salsa. Vas-y, expose-moi la gueule. Eh ben non. Steven, regarde, il y a notre copain. Réflexe. Aïe. Non, voilà. Steven. Eh, toi, t'as osé faire mal à mon copain. Mais, dégage. Eh, mais t'es moche. Steven, je suis là. Tiens, petit pansement. Mets le doigt sur la blessure. Okay. Allez, go. Dans le trou aussi. Bon, ça, il y avait pas besoin de le préciser. Oh, je savais pas, on peut faire ça. Bon, viens, cinématique, Steven. Attends, attends, chute, chute. Non, chute, bouge, chute, mais bouge. Je vais peut-être trouver un glitch, attends. Mais on s'en fout, viens. Allez, viens. Il se passe quoi, tu crois? Y'a rien. T'as peut-être juste augmenté l'eau, puis on va se noyer. Ah non, en fait, j'ai baissé l'eau, en fait. S'il te plaît. Ah, ok. Rain, t'es vraiment un connard. Eh ben, t'as qu'à leur crier qu'on est là, tant que t'y es. Parfois, une approche directe est parfaite. Oh, merde. C'est du plastique, c'est ça? Prends ça et retourne à la tour. Je m'occupe de ces enfoirés. N'importe quoi, on va se battre ensemble. Et leur laisser tous ces explosifs? Non, pas question, on se retrouve à la tour. Phil. S'il te plaît, ne laisse pas Raïm s'approcher, hein, du nid. Bien sûr que non. Promis, allez, Phil. À sa clé. Attendez, et ça me fait penser, on a pas encore testé mon nouveau flag. Vous l'aimez bien? Moi, j'ai pas de mine dans mes armes. Oh. Je t'en donnerai pas, je te rassure. Merci, c'est sympa. De rien. Ah bah non, en fait, c'est pas moi. Par contre, tu sais, j'aime parce que en réalité, moi, je ferais pas le choix, je dirais reste avec moi. Mais vu que là, on est deux, elle peut partir, hein, on est deux. Oh, viens, on va sortir de l'école. Viens, Steven, c'est la fin des cours. On peut enfin se cacher. J'arrive. Ah, moi j'ai goûté. Allez, Steven. Bon, on ouvre la porte. Je sais pas si on a entendu, mais il y a qui est rentré dans ma chambre. Hein. Hey, mais il te ressemblait de ouf. Bon, par contre, j'aime bien le gars, deuxième fois qui se tait pas quand même thématique. Hey, Steven, hein. Tu sais, il continue à raconter sa vie. En plus, surtout que je t'ai pas écouté. Je t'ai pas écouté parce que quand je me mute, il y a mon micro, il fait mic off. Donc j'ai rien entendu. T'as dit quoi? J'ai dit que Lily qui est rentré dans la chambre, je sais pas si on a entendu. Laisse tomber, c'est pas important. Ah! Au secours, à l'aide, on me poursuit. Ah! Ah, il est moche! Je vous avais dit qu'il y en allait un qui allait nous bouffer avant. Je vous avais dit ça. Dans le dernier épisode, je vous avais dit, c'est sûr, il y en aura un qui va nous sauter dessus avant la fin de la. De quoi, un rapace?
Ouais, avant la fin de l'épisode, enfin de la série. Explorateur. Niveau 18. Non, je rigole. Non, alors là, je te tue, hein, clairement. En fait, si vous voulez, sur ce jeu, il n'y a pas à proprement de niveau. En fait, il y a agilité, force et survivant. Et en fait, chaque truc a son niveau. Et puis, vous pouvez aller jusqu'au niveau 26. Et ça, il n'y a pas au début du jeu, mais ça fait assez longtemps qu'il y a maintenant. Vous pouvez avoir des niveaux de... Comment dire ? Attends des secondes, je regarde vite fait. Des niveaux de légende. Et puis, ça, c'est quand vous avez tout à fond. Quand vous avez, par exemple, la force à fond, bah, vous pouvez augmenter vos niveaux de légende pour la force. Et voilà. Ah, d'accord. Non, mais c'est abusé, je me fatigue toutes les deux secondes, ça me... Attends, voilà. En attendant, Steven, je vais juste vous montrer ce que j'ai débloqué de nouveau. Je vais se mettre sur pause, hein, si vous voulez voir. Avec tous ces... Ah. T'as pas intérêt, parce que là, je suis déjà à 3 km de toi. C'est moi, le logo bleu. C'est pour moi, c'est moi, le bleu. Hein. Toi, t'es le vert. Ah bah, on peut monter à l'échelle. Bah, attends, je te fatigue pas, tu peux te téléporter sur moi. De ça, j'étais déjà quoi. C'est le moment. Bon, alors il y a une petite coupure et on a avancé un peu pour pas que ce soit trop long. Allez, on va parler à Rain. Rain, Saïd m'a dit que vous aviez trouvé des explosifs. C'est génial. Jade les lui a donné. Saïd était artificier avant. Ça tombe bien. Ouais, on a eu du bol. J'aurais quand même préféré qu'on trouve de l'antizine. Mon pote Omar est en train de vérifier que Saïd a bien réglé les bombes. Faut qu'on ait le temps de sortir avant que tout explose. Non, mais tu rêves. Oui, il faut faire exploser le nid. Et on a ce qu'il faut à présent. Mais c'est moi qui m'en occupe. Tout seul. Mais... C'était mon plan. Que j'exécuterai à la perfection. Promis. Eh... Oh, merde. Ça sert à rien d'essayer de te convaincre, hein. Bon. Je te ferai signe quand Saïd aura fini. Marché conclu, alors ? Puisqu'il le faut. Marché conclu ? Oui. Marché conclu. Oh, encore un truc. J'ai encore vu une créature bizarre. Le docteur Ziré est dans sa caravane. Il faut que je lui en parle. Non. Il est à l'infirmerie avec le docteur Lena. Ok, à plus tard alors. Ok, bon, alors attends, parler à Ziré, à l'infecté, à l'étranger. Bon, on va juste voir si on peut arriver jusqu'à lui, mais après, quand on aura parlé à lui, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Ouais. Comme ça, c'est dit. Non, il y a écrit descendre, d'accord, très bien. Ça, c'est l'épisode de quand on fait que de se perdre. Hein. Oh, moi aussi, je te suis. Hein. Ouais, bah, c'est bien ce que j'avais dit avant, la petite fille, le chien. Je rigole. Vous auriez une minute ? Oh, Kane, c'est ça ? Que puis-je faire pour toi ? Kane, vous vous souvenez de la drôle de créature infectée dont je vous ai parlé ? Celle qui a décampé dès qu'elle m'a vu. Je viens d'en voir une autre. Et elle a réagi pareil. J'ai entendu tes collègues parler de ces créatures. Des esquiveurs. Les esquiveurs n'apparaissent que la nuit. Dans certains quartiers de la ville. Tu pourrais en attraper un pour me fournir des échantillons à étudier ? Tu sais, je viens de penser à un truc. Si ces créatures sont attirées par les zones où j'ai laissé mes appâts expérimentaux... Ah, je vais trop vite en besogne. Rapporte-moi un échantillon, s'il te plaît. Il doit être frais. Alors, surtout, ne traîne pas en route. D'accord. Et où je suis censé trouver ces créatures ? On m'a dit que l'intendant devrait pouvoir t'aider. On va voir l'intendant et après, attends, allez voir l'intendant et lui parler des esquiveurs. Ok, bah alors quand ils nous diront, faites cette mission, on s'arrêtera là-dessus, on va juste parler encore à nous. Partons à l'aventure. Alors, on va voir l'intendant, bonjour. L'intendant. Que puis-je faire pour toi ? Le docteur Ziré dit que tu devrais pouvoir m'aider à trouver des esquiveurs. Des infectés ultra rapides, couverts de pustules vertes. Ah oui, je sais où ils se trouvent. Là... Là et là. Mais bon, tu cherches les ennuis, je pense. T'inquiète pas pour moi, merci. Ok, bon, au moins ça a été simple et efficace. Ah bah attends, je vais donner le ravitaillement. On vient, on lui vole. Parler à la... Partez à la chasse. Bon, alors, on va vraiment s'arrêter là-dessus, car le temps... On partira à la chasse au truc et on fera péter les bâtiments dans un prochain épisode. Donc sur ça, c'était Tazoren et Steven. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à avancer. Sur ce, ciao. Allez, ciao.